Bonjour à vous, voici la suite de ma vidéo précédente dans le Tertre du Chute Tourmentée. Donc j'ai décidé de faire une petite ellipse et de passer une journée à Rivebois et commencer les premières quêtes des compagnons. Voilà, je me suis dit j'ai le temps. Et maintenant je viens enfin rendre la pierre de dragon à Farangar, parce qu'il attend depuis un petit moment. Enfin, ça fait que... J'ai juste patienté un jour de plus. Donc deux Quand jours pour rendre la quête. Quand l'Empire a capitulé devant le domaine Aldberry, il nous a tous couverts de honte. Alors, la discussion politique, j'adore ce genre de discussion. La terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai l'intime conviction qu'il s'agit de la copie d'un texte bien plus ancien. Elle doit dater de la fin de la guerre draconique. Si c'est le cas, je pourrais retrouver les noms par croisement avec d'autres textes plus récents. Bien. Contente que vous progressiez. Mes employeurs veulent des réponses concrètes. Oh, pas d'inquiétude. Le Jarl a fini par s'y intéresser et il me laisse désormais le temps d'effectuer mes recherches. Le temps passe, Farangar, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas d'une question théorique. Des dragons ont réapparu. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Même si je donnerais cher pour voir de près un dragon vivant. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre de mes trouvailles. C'est intriguant. Ça devrait aussi intéresser vos employeurs. Hmm ? Ah, oui, la nouvelle coqueluche du Jarl. De retour du tertre des chutes tourmentées. Et visiblement, en un seul morceau. Eh oui, en un seul morceau. La pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Je vous ai obtenu la pierre de dragon. Et ensuite ? Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes, et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées ? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon ? Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu ? Que faisait-il ? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Allons-y. Ainsi, Rilet me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il attaque la tour de Gay ? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilet, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. C'est bien, Irilet. Je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilet à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience. Allez, on se met sur le coup. Et on sait avec les dragons que quiconque. Un zoom sur la tête. Non, il n'y a pas assez de zoom. Allez, comme dans Oblivion. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Venici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Allez, on reprend le feu normal. Vous accompagnez, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. J'ai vu que vous aviez aidé le Jarl. Une dernière chose, et seulement tous les gens qui viennent à Blancherie sont aussi nobles. Pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Petit compliment du garde. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention et... Eh oui, je suis déjà révéré dans la châtellerie de Blancherie. J'ai déjà la réputation maximale. Vous allez voir ce dragon de près, comme je vous en prie. Ah oui, c'est un honneur pour moi. Ah oui, il y a un petit truc à faire. Donc, j'avais dit hier, enfin dans ma vidéo du Terre des Chaussons Montées, que je jouais avec Deadly Dragon. Bon, voilà l'activateur. Donc, les dragounets.
Alors pour le moment, je laisse en preset standard. Donc c'est le preset normal. C'est-à-dire dans le mode. J'explique rapidement. Quand on ne touche pas les réglages, déjà les dragons ils sont déjà plus forts. C'est-à-dire qu'ils ont 60% de souffle en plus. Il me semble que la pointe de vie n'est pas changée. Et il y a des effets. Il y a des effets de feu, de glace sur le terrain quand ils ont fait leur cri dessus. Alors j'ai fait un petit test hier en mettant le preset difficile. C'est impossible. Disons que c'est beaucoup trop. Avec le niveau de difficulté légendaire, c'est beaucoup trop difficile. Voilà, jouabilité. Non. Oulala, qu'est-ce que je fais en novice? Non, légendaire. Voilà, j'avais testé hier en novice. Parce que avec du trigger, j'ai fait des tests. Et il se trouve que c'était beaucoup trop difficile. C'était OS, OS, OS. Quelle que soit l'attaque que faisait le dragon. Coup de queue, coup d'aile, morsure, souffle, one shot, direct. Il n'y a aucun plaisir de jeu. Là, c'est trop difficile. Faites-vous plaisir en famille avec un bon steak. Dindoyarl, le steak. Alors, où est Rillette? Attends, je fais une petite sauvegarde là. Je te fais une grosse sauvegarde. Ah non, j'ai quelques petits préparatifs avant. Je vais faire une petite ellipse, je vais juste faire quelques préparatifs, enchanter un peu et faire un peu de cuisine. Parce qu'un combat contre un dragon, ça se prépare. Donc on se retrouvera devant la tour. A tout de suite. Nous revoici pour le combat contre le dragon. Donc rapide topo des statistiques. Donc je suis passé niveau 40. Donc j'en ai profité pour faire de l'enchantement, un petit peu. Un peu de cuisine, un peu d'alchimie aussi. Donc voilà, je fais rapidement le tour des talents, voilà, donc j'ai pris mon kit de survie Myrmoulir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je me suis bien buffé, j'ai pris mes bénédictions, repu, manger bien, tout ça complet, c'est bon. Alors, quelques petites merveilles, et j'ai bien fait d'ailleurs d'avoir fait cette pause. Donc l'armure que j'ai enchantée pour gagner un peu plus de mana, là un peu plus de mana aussi. Et le cadeau du Yard qui me fait un grand plaisir. Voilà, je vais tous le mettre en favori. C'est quoi la touche favori déjà? C'est ça. Donc, je pense que ça va être plus qu'utile. Voilà, c'était la récompense que le Yard m'a donnée. Du coup, celui-là, l'autre bouclier, je vais exceptionnellement l'enlever des favoris. Voilà. Voilà, un petit peu d'enchantement, ça peut tout changer. Donc, j'ai combien de points de vie? Voilà, j'ai monté un peu mes points de vie. J'ai la fondue de l'essuire, ça c'est important. Donc, j'espère que ça va passer cette fois-ci. Donc, je vérifie bien le niveau de difficulté. Il est toujours en hardcore. Non. Système, paramètres. C'est bon, c'est resté en légendaire cette fois. Je vérifie. Si, le dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Attends, le cheval était proposé ailleurs. Chose n'a pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Ouais, tu vois, le dragon rôde toujours dans les parages. Et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Je vais en profiter vite fait pour prendre les meilleures flèches. Enfin, flèche elfique, non, flèche orc. Allez. Avec 5 flèches, je vais pas aller loin. On va commencer les petits sorts. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Non, silence, ça sert à rien. Bouclier elfique, mais corde de pierre. On commence à claquer les sorts. Ouais, ouais. Il tankera, allez. Il fera diversion. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor. Non, pas une grosse sauvegarde, s'il vous plaît. Garde, que s'est-il passé ici? Où est le dragon? Vite! Je l'ignore. Que Kinaret nous garde. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Mettez-vous à couvert et que chaque flèche atteigne sa cible. Bon, le moment de vérité, on va savoir s'il va me OS ou pas. Sinon, ça va être un combat qui va être très galère. Hein. Oh, il est tout doré là. Ah, touché. Non.
Non, je savais pas qu'il était doré. Je pensais qu'il était gris. Après se poser, il fallait trop, c'est parti. Alors, non, ça bouffe. Bim, bim, bim. Et c'est pas facile. Allez, on claque tout. C'est un gros combat, c'est un gros boss. Des gros, des gros sommets. Bon, ça c'est pas très utile. Ça, oui, c'est utile. Trop vite. Alors, les sens de destruction sont. Ouais, j'ai pas ça, non. Résistance à la glace, c'est plutôt. Ça, je prendrai. Ça, c'est la chose pour renommer ses potions, comme dans Billion, et pour trouver la plus proche de toi. C'est bien. Résistance en feu, voilà, c'est hyper important. Et on va voir. Faut pas que je colle le. Oula. Pourquoi je peux pas tirer là? Ah oui, d'accord. Il y avait un rocher qui bloquait mon avancée. Attends, on va soigner le garde, on va éviter d'avoir un maximum de morts. Touche la prison. Oula, il va faire feu là. Ah. Ah, j'ai cru qu'il a dit Brisinger. Alors, je suis à droite. Alors que je choule. Bon, il faut pas que je soigne le dragon, sinon ça va pas le faire. Hein. Ah, ça descend tout doucement. Ça va être long, ça va. Je vais marcher. Ça va, ça va. Ah, le pas OS. Ça. Et voilà, comme je dis, des petits dragons, c'est il met le feu sur le sol et ça brûle. Je sens que je vais plutôt prendre le rôle de healer sur ce combat. C'est bon, j'ai du mana avant. Je vais peut-être remettre mon plat de fée. Donc, alors, faut pas que je le colle au corps à corps parce que physiquement il me moins le tuer. Attends, pourquoi je n'ai pas du poison hein? Poison. Oui, il m'a tiré la glace. Il m'a tiré. On va balancer de la glace. Froid mordant, vite. Attends, on va sortir plus de mana. J'ai pris la fin du délai sourd. Ah, ben non. Ils sont ouverts. Touche apaisant, il va être long, il va être long ce combat. Ils sont où les alliés là? Il est où le dragon? Il est où le dragonnet? On va essayer quand même. On va soigner ça. Et... Quel point elle est mortelle sans dire que ça. On va soigner un peu de la queue. Tac, 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 là. Se touche à pisant. Vous ne pouvez pas. On va me soigner aussi, parce que bah, je suis brûlé. Ça c'est du Deadly Dragon, hein, le feu par terre. Et plus de mana. Je fais comment là? Oui, je vais claquer le pouvoir, allez c'est bon. Oui, il se pose, allez. Arc, poison, quand on est passé vite. Une autre agression. Ouais, est-ce que j'ai un autre poison? Ouais, très bien. Ouais, touché. Touché à présent. Non, non.
Ouais, moi, le shoot, c'est pas assez. Reste un peu. Et l'autre. Non, reste parce que ça peut. Ça a l'air que. Allez, reviens, mon petit dragon. Heureusement que le feu c'est du dot. La flèche de feu, oui. J'aime le feu. Allez, j'ai raté mon sort. Oh putain, il a tout enflammé. Je sais même pas si je vais pouvoir y aider tout le monde. Allez, un petit F-Sop. Ah, il faut soigner tout le monde là. Oh là là, il a foutu le feu partout. Ah, il est où, il est où? Oh là là, la queue, je m'en vais tout de suite. Je pense que je n'ai plus mes petits buffs de nourriture. Ah, plus de mana, putain. Allez, t'as beaucoup de mana vite. Alors j'en ai presque plus. Beaucoup de mana vite. Oh là là, ça fait centaines vite. Irilette pour éviter de rester dans le feu. Je sais que tu es une elfe noire, tu restes au feu, Irilette, mais faut pas exagérer. Il est où le dragon? On a toujours besoin d'un bon healer. Faut que je me soigne aussi. Attends, je fais vite. Et il faut que je me heal après. Heal. Oh là, je sens qu'il va m'attaquer. J'ai la popo de feu, non? Popo résistance. Ouais. Allez, ah, j'ai gagné. J'avais oublié un carbone. Mais. Soin. Oh putain! J'ai un point de vie, alors là. Putain, dis pas que j'ai plus de poison de. Ouais, c'est bon. Ah ouais, là, c'est du dragon mortel! Oh. Il y a 60% de vie, allez! Après, on a chauffé. J'ai un peu de mana. C'est bon, c'est casté. Allez, vite du poison. Qu'est-ce que j'ai de bien? Bon, allez, c'est bon. Sauvage de résistance. Bon, il a grotté la tronnage à feu qui est immunisé en feu. Du coup, qu'est-ce que je peux faire de bien? Non, allez, arc. Allez, il attaque le tank. C'est bien. Ah, il attaque le tank. Vite. Oh putain, le bouclier vite. Allez, faut peut-être l'utiliser un peu, ce bouclier. Si je fais quoi? Ouais, bon, c'est pas chaud. J'ai survécu. Qui a été sur les quoi. Il est toujours là. Et
facile. Tout à fait sans doute. C'est prioritaire, hein, là, c'est pour ça. Allez, on va le faire. Le chef des gens, ça va, c'est là. 12 secondes, enfin, je dois. Ah, 50% de vie, il a du sang sur la tête, là, c'est bon. Oh putain. Putain, j'ai bien une potion résistance à toxine. Ouais. Oh putain, PD. Ouais. Putain, plus de mana. Oh merde, ouais, c'est. Là, comme d'habitude. Ouais, c'est bon. Un petit peu en fromage. Ouais. Oh putain, c'est chaud, hein. C'est hardcore, là. Un petit survivant, là. Touche à plaisir, allez. Ouais, il est sur lui. Allez, on est au dragon. Affranche de feu. Oh là, affranche de feu. Oui, il est à 39. Là. Ah, c'est le mana. Il est au dragon. Touché à plaisant, je fais un petit F5. Non, pas toi. Et il a fallu. Bon, bravo. Il reste combien de temps de blessure là? Oh, tous ces deux. Ouais, 5 minutes encore. Il a 45%, allez. Oh là là. Après, la dernière phrase, ça va être épique parce qu'il est encore à corps sur le sol. Hein. Putain, je vais me souffler du feu. Soin. Oh là là, allez, cramez-vous bien, surtout, ça vous fait du bien. Ah, ça y est, je pense qu'il est au sol là. Parfait. Allez, c'est bon, dernière phase du combat. Vas-y, brûle-le dans la tronade de feu. Ah non, il peut encore voler. Oh là là, c'est dur ce combat. Ah, j'ai plus de poison, ça m'énerve. Il a cramé qui là, soin. Ouais, c'est bien, mon mana on le montre. Maintenant tu vas payer. Toi aussi, tu viens. Oh, ça, je me suis dans le feu. Je me suis mis dans le feu. Il est tout blessé, le dragonnet. Soin. Renfort de santé, peut-être. Je vais prendre un risque, mais bon. Quel bravo! Ah oui, allez, soin, vite, putain. Non, il peut toujours voler encore, oui. Donc, sachant que j'ai, je sais plus combien de points de vie là, 290. Ouais. Non, ah. Touche à plaisir. Non, putain, atronage de feu, atronage, il faut que tu prennes la grosse. Et touche à plaisir. Yo, le babou, je le vois pas là. Ah,
Bon, soin, une feuille. Il est toujours là, je crois que j'ai fait. Ouais. Arc. J'avais oublié à quel point les mortels sont divertissants. Ouais. Je sais pas si c'est touché. Mais Irilette a 50% de résistance en feu, c'est une elfe noire. Allez, Murmunier. Bon, là, il est en tiers de points de vie. Allez, il va bientôt atterrir là. La trajet. Allez, en première ligne. Sauvegarde. Ah, c'est bon, là, c'est bon. Il a plein de sang sur sa tête. Il va où là? Oh, il a peur là. Il a la trouille de dragonnet. J'ai plus de flèches. Attends, dis pas que j'ai plus de flèches là. C'est bon. Il va où le dragonnet? Et... Oh, et moi. J'ai pas eu le temps d'aller sur le menu. Eh ben, Akatosh nous renvoie dans le passé, on l'a compris. Il fallait bien qu'il me tue, le dragonnet. Hein. Ça aurait été le miracle que j'aurais réussi du premier coup. Hein. Est-ce que j'ai à propos de feu là? C'est la question que je vais me poser. La défaite me couvre de gloire. Hop. Allez, tu veux me cracher ton feu? Non, je suis à couvert sur le sol. Ok, bon, il veut jouer à être attaqué à distance. Ok, pas de problème. Allez, si tu veux nous tourner le dos, y a pas de problème. Tu n'es qu'un lâche, Mirmoulnir. Qu'est-ce qu'il attaque en fond là? Bon, pour info, j'ai baissé le volume de la musique du son, parce que... Parce que comme vous pouvez le constater, il y a un petit canon musical. Il y a deux musiques qui se jouent en même temps. Oh là là, il est en train de mourir. Ah, j'ai mis... Tout mon mana là. Conjuration de familier. Non, pas familier. Feu. Oh là là, pas de ce sens. L'arc. Oh là, il va avoir encore besoin de soins. Chiant de se mettre sur le feu. Je vais coincer sur le feu là. Et voilà. Je vais reprendre un peu de mana du coup. Et... Ah. J'ai du poison là-dessus, là. Seulement s'il est bien visé, voilà.
La touche apaisant, les moyens soignés, le pauvre. Quel bravo! Ah lui, c'est sûr, il a de la bravo, hein. Quand je vais sur la 3GP. Ah bah voilà, il suit dans le bon sens maintenant. On va le finir, on va le finir. Allez. Ah, on a tué mon atronache. Soin, touche à maison. Allez, lui, c'est le tank. Faut pas qu'il tombe. Faut pas qu'il tombe le tank. Ah, il est chiant ça. Oulala, il panique là, il panique, il est presque mort. C'est juste pour la capture d'écran. Photo. Voilà. La photo et un petit soin bien sûr. Que se passe-t-il? T'es pas mort, toi, c'est bon. Et voilà, on l'a tombé en mode hardcore, ça y est. Wouh, allez. Enfin, pour info, le cri est automatiquement débloqué. Hein. Terminé. Respectez le dragon. Alors, bien sûr, le temps que le script se mette en route et que tout le beau monde arrive... Oh, attends, on va looter ça. Ah, il a eu la trouille, le dragon. Oh là là, il a voulu s'éloigner. Flèche d'arcir, de dragon, septime, écaille de dragon, prend tout. Ah, c'est comme d'habitude. Vite! Allez, allez. On vous attend. Je suis sidéré. Vous êtes une fille de dragon. De dragon. Eh oui, je suis une fille de dragon. Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. Les fils de dragons, ouais. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Et là, il y a un retardataire, et là, il y a mon cheval. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il n'y a qu'une seule façon. Avec un E à la fin, parce que je suis une fille, normalement. Essayez de crier. Vous en aurez la preuve. Selon les vieilles légendes, seuls les enfants de dragons peuvent crier sans entraînement. Tout comme les dragons. Dragon ? De quoi parlez-vous ? Menu. Alors la draconia, c'est la magie des dragons, hein, tout simplement. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragons. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines. Comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragons, imbécile. C'est la première fois qu'il revient. Donc pour info, j'ai réussi le défi. Aucun PNJ n'est mort. Hein. Ils sont tous là. Les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irilette? Vous êtes terriblement silencieuse. Allons, Irilette. Dites-nous. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons? Allez, enfin, Fous! Ah non, j'ai dit Fous! Fous! Elle invoque le tour! Pas passer sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon mort. Et ça, c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons les tuer. Et oui. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Vous ne comprendriez pas, Huskarl. Vous n'êtes pas un nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon. Une fille de dragon, merci. Bon, je pense qu'il est l'heure d'aller faire le rapport royal en regard le Balgruf. À cheval, bien entendu. h 7 du soir. Bon. Où les cachettes sont là? Okay.
Allez, mon portier, ouvre la porte. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Une hache. Venez voir mon grand choix de viande de qualité. Et je suis accueilli en héros, en héroïne à Blanche Rive. Et j'ai le privilège d'aller à Blanche Rive en cheval. Ouais, à pied à terre. Pardon, Reine Askir, tu me bloques la route. Attention, discussion politique du Jarl, attention. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les grises barbes. Nous parlions justement de vous. Mon frère aimerait vous dire un mot. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? La tour de guet a été détruite, mais nous avons tué le dragon avec un D majuscule juste. Mais il doit y avoir autre chose. Il s'avère que je pourrais être enfant de dragon, entre guillemets. Fille de dragon. Que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon? La fille de dragon. J'ai absorbé une partie de son pouvoir. C'est vrai. Les grises barres vous invoquez bien et belle. Les grises barbes? Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. Que me veulent les grises barbes? On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La draconia, la magie draconique. De concentrer son essence vitale dans oui, je sais, j'aime beaucoup Eragon et tout ça, là. Si vous êtes vraiment une fille de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blanche Rive? C'était la voix des Grises Barbes qui vous demandait de venir au Haut Hrothgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles, au bas mot. Six siècles. Pas depuis que Tiber Septime, personne n'a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Ah. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Elle est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit une... fille de dragon. Ouais. Des palivernes... Je vais profiter vite pour faire un truc. Paramètres, audio... ici. Sinon vous allez risquer d'avoir le bruit du micro et ça c'est pas bien. Pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du premier empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces grises barbes lui veulent. Ce sont les affaires des grises barbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les grises barbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant fille de dragon... qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrothgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grises Barbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez, de pouvoir gravir encore une fois les marches. Ce que j'ai déjà fait. Le Hrothgar est un lieu très paisible. Complètement déconnecté. Est-ce qu'on a accès à la carte du monde? Voilà, le Hrothgar. Voilà, gorge du monde, j'ai déjà fait la petite visite en avant-première. En faisant de l'alpinisme. Demande même si les grises barbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Hrothgar et voyez ce que les grises barbes sont en mesure de faire. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. Fille de dragon. Moi, le Jarl, je vous nomme Tan de Blanche Rive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure. La fameuse Lydia. Et je vous offre cette arme de ma propre armurerie qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. Et oui, je suis dans la noblesse maintenant. Fille de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. C'est bon, fin de la discussion politique, donc voici la fin des aventures de Féalokiel, la fille de dragon, pour sa première partie de la prophétie. Donc on verra s'il y a d'autres combats épiques ou donjons épiques dignes de la vidéo. En attendant, on va se quitter là, donc merci d'avoir visionné, et à plus.